Hello, my name is Kansas. Aujourd'hui, je vous emmène on the road. Sûreté, on se rôde à Sarkomine dans le 5-7. À l'entrée de Sarkomine, juste à côté de Smortville. Ici, dans le 5-7, c'est un pays où on aime bien lever le coude et on a de l'appétit. Et donc, ils ont bouffé toutes les vaches. Donc, il n'y en a plus, donc ils en ont mis des fausses là, pour se rappeler du bon temps. Bon, alors là, il y a une vache blanche. Ils sont inscrits dessus les recettes de cuisine à l'époque où on bouffait de la viande dans le camp encore. Chicot, peuvent presser, enfin, etc., ce genre de truc. Hein. À l'entrée de Sarkomine, comme dans de nombreuses villes, il y a des ronds-points. Et ici, la particularité, c'est que le rond-point, c'est également la piscine municipale de la ville. Donc. Trois en un. Une piscine municipale, un centre nautique avec activité et un centre thermal pour les cures. L'eau ici, elle est légèrement saumâtre, parfait pour ceux qui ont des problèmes digestifs ou qui n'en ont pas encore. À Miri, on a toujours été fan de séries américaines et plus particulièrement de Flics à San Francisco. C'est pour ça qu'on a décidé ici, rendre hommage un peu à ces séries américaines, de construire une réplique du Golden Gate Bridge de San Francisco. Oui, je dirais un monument qu'il faut voir, avoir vu une fois dans sa vie. Le MGG, le mini Golden Gate. On se croirait vraiment aux States là. Bien sûr, on trouve aussi sur le pylône principal des signatures des ouvriers qui ont travaillé à la construction, qui ont laissé souvent leur vie et leur santé. Par exemple, il y en a un qui a signé Je nique ta sœur. J'aime le sexe. Moi aussi, j'aime le sexe. Avec marqué Salut Sarah Brücken, moi je vais mettre avec mes remorches. Là, je suis un peu dans le Saint-Trope du 5-7. Les plus beaux vaisseaux, les plus beaux bateaux sont amarrés ici et je vais vous présenter ce qui a fait le fleuron et un peu la gloire il n'y a pas si longtemps ici à Sarkomine. Je vais parler bien sûr du Majestic of the Sea, enfin la réplique. Je vous montrerai après le souci du détail dans la reproduction, hein, que c'est assez impressionnant. Hein. J'ai dû filer ma 305 à bricoler à ce mec parce que c'est vraiment la classe qu'il a fait là. La proue a été consolidée aussi avec du tape, du scotch américain. Où ça marche, où ça casse. Voilà, j'étais avec le boss du bateau. Il m'a expliqué qu'il y a toujours du boulot. Bah ouais, c'est sûr. Quand on voit le truc, hein, on a compris qu'il y a du boulot. Hein. Ici à Sarkomine, la culture est présente partout. Quoi. On aime l'art. D'ailleurs, c'est une ville qui est connue pour ses faïenceries et tout ça. Comme. Et ça se retrouve même dans la déco aussi. Je suis dans une pizzeria, quoi. Et une déco qui est quand même charmante. Bien sûr, normalement, cette table, c'est une table réservée aux dames, aux chai. Vous savez que moi, j'aime bien le merchandising aussi. Hein. On a donc les t-shirts de Kansas, là, que les gens portent avec bonne attitude. Et ici, ils vendent aussi des t-shirts sur le plat. La cop. Bon, ça ressemble à Zako, hein, mais bon, il y a peut-être des dérivés, un peu comme dans le vanier, c'est peut-être un peu plus couillu comme langage, hein, on va voir ça. Ici, on parle plat, c'est quoi le plat? Le plat, c'est notre... Plante. Le plat? C'est quoi le plat? Ah bah, je sais pas, il y a des affiches partout. Ya. Ya, c'est ça le plat? Oui. Bah, c'est pas terrible alors, hein. Est-ce que vous parlez plat, madame? Oui. Non? Mais il n'y a personne qui parle plat ici, hein. C'est chnette, hein. C'est net, mais c'est pas du plat, c'est de l'Alsaco, ça. Vous parlez plat? Non, pas vraiment. Non? Ah, dis donc. Je suis parisien, moi. Ah, bah qu'à Paris, on peut parler plat aussi. Hein. Des fois, ça vole pas haut là-bas. Hein. Ok? Non. Mais. On va faire un truc, un cas pratique de plat. Je vais vous expliquer. Alors, le fameux autocollant Kansas LMA. Alors, ici, ça se dit. Lake Michamash, attitude.
Et il faut dire quoi ? Lac Mechemarsh, attitude. Voilà, et chez nous, c'est Lac Mechemarsh, attitude, voilà. Donc, dans l'attitude, on est pareil en tout cas, c'est ce qui est important. À tout, je vous dis pareil, et pareil, ça veut dire... Ciao en anglais. Voilà. Mini Golden Gate.